t'as pas de ticket. Ticket avec qui? Avec toi? Oh, rigole. Tu sais très bien ce que je veux dire. Mais non, j'ai pas de ticket. J'avais de ticket, moi. T'en achètes jamais? Non mais vas-y, t'as qu'à parler plus fort, comme ça s'il y a un contrôleur, bah il sera au courant. Non mais franchement, tu trouves ça bien, toi? Tu trouves ça normal? Ils sont un ticket de plus ou un ticket de moins, hein? Qu'est-ce que ça change? Oui, bah si tout le monde dit ça, il y aura bientôt plus de bus. Ah, tout de suite les grands arguments. Non mais, et de quel droit Monsieur Jean-Charles n'aurait-il pas besoin de payer son trajet? Monsieur Jean-Charles n'est pas pareil que les autres? Ceux qui payent sont des couillons, c'est ça? Mais lui, messieurs, dames, hein, c'est un malin, on la lui fait pas. Non mais attends, et moi j'ai jamais dit que ceux qui payaient leur ticket étaient des couillons. Oui, eh bien, pourtant, c'est ce qu'on pourrait croire. Parce qu'en fait, ce que tu oublies si tu paies pas, c'est que ce sont les autres qui vont payer pour toi. Comment ça? Bah oui, s'il y a pas assez d'argent qui rentre, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Ils n'auront plus les moyens de développer de nouvelles lignes, d'acheter de nouveaux bus, les vieux bus tomberont en panne les uns après les autres, et puis bah nous, bah, on prendra nos patins à roulettes pour aller au boulot. C'est, bah oui, j'avais jamais vu ça comme ça, c'est vrai. Ouais, bah pense-y la prochaine fois, et achète un ticket, ça videra pas ton porte-monnaie. Et puis, comme ça, au moins, t'éviteras aux autres voyageurs d'être obligés d'acheter des patins. Ouais, t'as raison. T'as toujours raison. Ça m'énerve. Ça m'énerve.